The point is, my role in the community, within the free software world, there's been a long-standing tradition of the benevolent dictator model. So if you look at most of the major free software projects, they have one single person in charge who everyone agrees is the benevolent dictator. It's important to understand that our wiki model is the way we work, but we are not fanatical web anarchists. In fact, we're very flexible about the social methodology because it's ultimately the passion of the community is for the quality of the work, not necessarily for the process that we use to generate it. Je me qualifie moi-même d'ex-fondateur. Avant, j'étais co-fondateur. Maintenant, je suis ex-fondateur. Je ne veux plus en entendre parler. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de l'encyclopédie en ligne Wikipédia et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Wikipédia renvoie l'image d'une encyclopédie populaire, où c'est le peuple qui a repris le contrôle de la production du savoir, en écrivant et en modifiant les articles directement. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir si Wikipédia est vraiment un exemple de la réussite de l'intelligence collective et de l'autogestion populaire. En gros, est-ce que Wikipédia est vraiment une encyclopédie démocratique? Je vous propose qu'on regarde tout ça ensemble dans cette vidéo. Pour comprendre l'histoire de Wikipédia, il faut d'abord qu'on s'intéresse à une personne en particulier, son fondateur, Jimmy Wells. Jimmy Wells naît le 7 août 1966 à Huntsville, en Alabama. Et oui, je suis en train de lire sa page Wikipédia, mais vous inquiétez pas, j'ai bien évidemment utilisé d'autres sources d'informations que je vous laisse dans la description de la vidéo. Sa mère et sa grand-mère, Doris et Irma, dirigent une école primaire privée dans laquelle Jimmy va découvrir la pédagogie Montessori, c'est-à-dire une méthode d'éducation alternative basée sur l'autonomie et les expérimentations. Par la suite, Jimmy va découvrir le travail d'Ayn Rand, une philosophe qui participe à développer le concept de l'objectivisme, c'est-à-dire diffuser l'information de la manière la plus objective possible. Et en faisant une petite recherche, sur Wikipédia bien évidemment, j'ai pu lire que, je cite, « l'objectivisme soutient que le seul système social compatible avec cet objectif moral est… le laisser-faire capitaliste ». Ouais, on s'attendait pas trop à ça. Hein. Quelques années plus tard, le petit Jimmy devient grand et maintenant il est fan d'un économiste qui s'appelle Friedrich Hayek. Ouais, Friedrich Hayek, le fondateur du libéralisme. Non mais on commençait bien avec une pédagogie Montessori, alternative et tout ça, et non, maintenant c'est un capitaliste libéral. Retenez bien ça pour la suite, ça va être important. De 1994 à 2000, il va donc travailler, en bon capitaliste, comme directeur de recherche au Chicago Options Associates, qui est, roulement de tambour, une entreprise de trading. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur Wall Street, eh bien vous savez ce que je pense des traders, et si vous l'avez pas vue, eh bien je vous conseille vivement d'aller la voir, parce que j'ai beaucoup bossé là-dessus, et je la trouve vraiment très intéressante. En 6 ans, à force de spéculer sur les taux d'intérêt et les fluctuations des monnaies étrangères, Jimmy Wells gagne assez d'argent pour pouvoir faire vivre son couple durant le reste de son existence. Voyant qu'il a manifestement gagné au jeu du capitalisme, il se dit qu'il serait peut-être temps de faire un projet dont il serait vraiment fier. En 1996, il crée alors le site Bomis.com, qui est un moteur de recherche, un annuaire, qui permet à n'importe qui de référencer n'importe quel site internet pour le rendre plus accessible. En gros, c'est une sorte de Google collaboratif. Et puisqu'on est sur Internet, eh bien évidemment, les internautes viennent référencer des sites érotiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien c'est un putain de succès pour Bomis. Bomis devient de plus en plus populaire après s'être spécialisé dans le contenu classé X. Le Bomis Babes devient un répertoire d'images érotiques, et le Babe Engine permet aux utilisateurs de trouver du contenu érotique grâce au moteur de recherche. Véritable anecdote, à cette époque, le directeur de la publicité chez Bomis remarque que plus de 99% des recherches effectuées sur le site servent à trouver des photos de femmes nues. Bon, en résumé, Jimmy Wales, c'est un libéral capitaliste qui a fait fortune en spéculant sur la bourse et en créant un site d'images érotiques. Oui, on est plutôt loin de la philosophie de Wikipédia et tout ça. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver très vite. Parce que bon, Jimmy il est content, il gagne masse de thunes, en plus il a accès maintenant à des photos de femmes à poil sur internet, enfin voilà. Mais il est un peu triste quand même, parce que c'était pas trop ça le projet qu'il voulait faire à la base. Donc il décide de prendre de l'argent de chez Bomis pour créer un nouveau site qui s'appellera Nupedia.
Et je trouve ça plutôt marrant qu'il passe d'un site qui diffuse des photos de femmes nues à un site qui s'appelle Nupedia. J'adore rire. Alors que ça n'a rien à voir, hein. Nupedia, ce sera une encyclopédie en ligne écrite par des professionnels. Et pour organiser l'écriture de ses articles, il va décider d'engager un rédacteur en chef, Larry Sanger. Et ça tombe bien puisque les deux hommes partagent plutôt la même vision des choses, puisque Larry est également un grand fan de Ayn Rand et de l'objectivisme. Et du capitalisme aussi, bien évidemment, puisque ça va ensemble. En un an, Nupedia aura dépensé plus de 250 000 dollars pour produire 24 articles finis et 74 articles en cours de développement. À ce rythme-là, le site ne dépassera jamais les encyclopédies classiques. Larry Sanger, le rédacteur en chef, bon, il est un peu déprimé parce que ses résultats, ils sont largement pas à la hauteur de ses attentes. Et il décide donc d'aller boire un verre avec un pote et il lui parle de la difficulté de produire des articles pour Nupedia. Et son ami, ça tombe bien, il a une idée géniale. Il commande un shot de vodka et il lui dit « Larry, on s'en fout de ton encyclopédie, là. Ce que les gens, ils veulent sur Internet, c'est voir du sexe. » Non, pas du tout, il lui dit absolument pas ça, mais ça reste vrai. Son pote commande un shot de vodka et il lui dit « Larry, je connais un logiciel qui permet aux utilisateurs de modifier directement le contenu d'un site. Si vous pouvez l'intégrer à Nupedia, eh ben, vos utilisateurs, ils pourraient directement écrire, modifier et corriger les articles, et tout ça gratuitement. Attends, tu veux dire que j'aurais plus à payer des gens pour écrire mes articles? Ouais, non mais c'est trop cool, et en plus c'est un logiciel libre, donc tu peux l'utiliser gratuitement. Ça s'appelle Wiki. Larry prend son téléphone et il appelle immédiatement Jimmy Wales. Jimmy, j'ai une super idée. On va faire travailler gratuitement les utilisateurs de Nupedia avec le logiciel Wiki. Oh, ok Larry, ouais non mais elle est super cool ton idée, hein, mais il est 3h du matin donc je verrai ça demain matin au boulot. Ouais, super Jimmy. Ah, et t'appelleras ça Wikipedia, parce que c'est super original comme idée. Le lendemain, le 15 janvier 2001, le site Wikipédia est officiellement créé par Jimmy Wales et son rédacteur en chef Larry Sanger. Désormais, les internautes peuvent directement écrire et modifier des articles et, contre toute attente, eh bien c'est un véritable succès. Ils se prennent rapidement au jeu et écrivent des dizaines d'articles par jour. Mais le problème en laissant les utilisateurs modifier le site, c'est que ça permet à n'importe qui de faire n'importe quoi. Et ça, Jimmy il en est bien conscient et donc il en dort plus la nuit. Il va souvent sur son ordinateur vérifier que personne n'a saccagé Wikipédia. Mais heureusement pour lui, les Wikidiens, c'est-à-dire la communauté des contributeurs de Wikipédia, veillent à ce que tout se passe bien. Ils regardent que personne n'écrive de fausses informations, ils corrigent les articles, ils vérifient que personne n'efface des articles au hasard. En résumé, Wikipédia est construit et protégé par sa communauté. Et ce système est un véritable succès. Au bout de la première année, Wikipédia propose déjà plus de 20 000 articles. Et si la quantité y est, ce n'est absolument pas au détriment de la qualité. Parce que Jimmy a compris quelque chose de très important. La communauté est qui vraiment care for the site. And these are some of the smartest people I've ever met. Of course, it's my job to say that, but it's actually true. The type of people who are drawn to writing an encyclopedia for fun tend to be pretty smart people. Malgré la réticence des élites intellectuelles face à cette démocratisation de l'écriture du savoir, le site double son audience tous les 4 mois. Le modèle collaboratif décentralisé de Wikipédia aura fait ses preuves. Mais en février 2002, Jimmy Wales se dit qu'il n'a plus besoin de payer un rédacteur en chef puisque le site est autogéré par ses utilisateurs. Larry Sanger est donc obligé de démissionner et décide de se lancer dans un autre projet révolutionnaire, une encyclopédie en ligne. Ouais, le mec il veut recréer un Wikipédia de son côté, mais à deux exceptions près. La première, c'est que les articles, toujours écrits par les internautes, seront cette fois-ci corrigés par des professionnels. Et la deuxième exception, c'est qu'il y aura besoin d'un rédacteur en chef. Ah ouais, il est malin. L'objectif de ce nouveau site qui s'appellera Citizendium, c'est d'obtenir une encyclopédie qui évolue plus lentement que Wikipédia, mais qui contiendra le moins de fautes possible. On sent quand même que Larry, il a une petite dent contre Wikipédia quand on lit la page d'accueil de Citizendium. Nous écrivons les types d'articles que Wikipédia ne peut pas écrire. Jimmy Wales et Larry Sanger proposent alors deux modèles totalement différents. Wikipédia, basé sur une autogestion totale,
et Citizendium, géré par un rédacteur en chef et contrôlé par des personnes diplômées. Résultat des comptes, le 5 décembre 2009, Citizendium propose 12 790 articles. Mais seulement 121 ont été approuvés par les modérateurs diplômés. À titre de comparaison, et à la même date, Wikipédia en anglais propose 3 116 306 articles. D'autres plateformes vont émerger au fil du temps, comme par exemple Larousse, qui va décider de numériser ses encyclopédies et de les rendre accessibles en ligne, mais rien, non rien jamais n'arrivera à la hauteur de Wikipédia et de son système si révolutionnaire. Citizendium ne fera pas exception. Si Wikipédia a bien réussi à prouver une chose, c'est que les internautes pouvaient s'autogérer de manière démocratique et surtout qu'ils étaient capables d'écrire de manière collaborative des articles encyclopédiques tout en préservant la qualité et la quantité. Et dans cette histoire, si je parle si peu de Larry Sanger et de Jimmy Wales, au final c'est parce que leur rôle est très peu important. Ils ont certes posé les bases du site, mais ensuite c'est les Wikidiens, la communauté des contributeurs, qui va véritablement autogérer Wikipédia. Wikipédia est géré d'un côté par la Wikimedia Foundation et de l'autre côté par les Wikidiens. Les salariés de la Wikimedia Foundation s'occupent de la collecte de dons pour financer le développement du site internet, l'hébergement des serveurs, donc c'est vraiment la partie technique. Et de l'autre côté, la communauté des contributeurs, les Wikidiens, eux, ils s'occupent d'écrire et de modifier les articles du site. Cette communauté de bénévoles, les Wikidiens, elle est autogérée démocratiquement. Plutôt que de vous expliquer tout le détail, je vais juste vous donner un exemple. Si par exemple, je veux changer l'article sur Emmanuel Macron en disant que c'est un mec vendu à la solde du capitalisme, eh bien pour ça, il va falloir que je me crée un compte, je peux le faire de manière anonyme, et que je soumette ma proposition. Tous les Wikidiens le voulant recevront une notification indiquant que j'ai proposé une modification de l'article. Ils vont alors pouvoir voter si oui ou non cette modification devrait être appliquée. Les Wikidiens ont eux-mêmes défini deux critères d'admissibilité, soit le sujet a fait l'objet d'une entrée dans une encyclopédie, soit au moins deux articles ont été publiés dans la presse nationale ou internationale. Il y a donc de fortes chances pour que ma proposition de modification soit rejetée. Mais s'il y a conflit, des administrateurs, des bureaucrates ou des arbitres seront chargés d'intervenir. Ces modérateurs sont élus directement par les Wikidiens. Aujourd'hui, on compte plus de 100 000 Wikidiens actifs, dont environ 5 000 très actifs à travers le monde. Et petite anecdote intéressante à remarquer, quand j'ai fait mes recherches sur ce sujet, je me suis rendu compte que ces 5 000 Wikidiens très actifs, eh bien ils se connaissent pour la plupart personnellement. Au fil des années, ils ont organisé plusieurs rassemblements pour se rencontrer dans la vraie vie et nouer des liens forts. Finalement, Wikipédia ce n'est pas Jimmy Wales, ce n'est pas Larry Sanger. Wikipédia, c'est une communauté de milliers de personnes qui s'organisent et créent elles-mêmes les règles de la plateforme. Depuis le début de cette vidéo, je parle de Wikipédia au singulier, mais je devrais plutôt parler des Wikipédias. En effet, il en existe une version par pays. L'article sur la France, par exemple, n'est pas du tout le même sur Wikipédia français, sur Wikipédia anglais ou sur Wikipédia allemand. En tout, il y a plus de 300 versions du site, et chaque version a sa propre communauté de Wikidiens qui décide des règles et qui distribue les rôles. Mais le caractère collaboratif de la plateforme doit être relativisé, puisque les Wikidiens français à l'origine de la majorité des articles ne doivent pas être plus d'une centaine. Pourtant, aujourd'hui, Wikipédia compte plus de 56 millions d'articles. Ça paraît donc invraisemblable que si peu de monde ait produit autant de contenu. Laissez-moi vous présenter Steven Pritt, un Américain de 36 ans qui a passé 13 ans de sa vie à écrire et à modifier des articles sur Wikipédia. À lui seul, il aurait écrit plus de 36 000 articles originaux et en a modifié plus de 3 millions. Il a littéralement modifié la moitié des articles du Wikipédia anglais. En faisant un rapide calcul, on se rend compte que pendant 13 ans, chaque jour, il a écrit en moyenne 7 articles originaux et en a modifié 500. C'est une véritable machine de guerre. Mais attention, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, et c'est pas le plus gros contributeur de Wikipédia. Sverker Johansson, un Wikidien suédois, a développé un robot capable de créer automatiquement des articles sur Wikipédia en compilant les données trouvées sur les autres sites internet. Lancé en 2012, le robot LSJBot
crée principalement des pages d'espèces animales et végétales, puisque les données ont déjà été compilées un peu partout. Il peut produire jusqu'à 10 000 articles par jour, et en juillet 2014, LSGBot aura été responsable de la création de 2,7 millions d'articles, soit un tiers de la version suédoise de l'encyclopédie. L'aspect collaboratif et participatif de Wikipédia en prend un coup. Au final, la majorité des articles est écrit par quelques milliers de personnes et par des robots. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une encyclopédie démocratique ? Certes, n'importe qui peut écrire ou modifier les articles de la plateforme, mais le fait est que 80% des contributeurs de Wikipédia sont des hommes, européens et occidentaux. Difficile alors de proposer une encyclopédie objective lorsque ce sont les mêmes types de personnes qui écrivent tous les articles. Et ce problème de diversité parmi les contributeurs se ressent fortement sur le contenu de l'encyclopédie en ligne. Par exemple, plus de 80% des biographies du site concernent exclusivement des hommes. La communauté des Wikidiens est consciente de ce problème et lance d'ailleurs plusieurs initiatives pour contrer ça. On pourrait parler par exemple du projet des 100 pages, un collectif de femmes qui s'est donné pour mission d'écrire plus de biographies de femmes sur la plateforme. On pourrait également parler de l'opération Noircir Wikipédia, qui cherche à augmenter le nombre de références, d'articles et de biographies sur des personnalités africaines. Pour terminer sur ce sujet, on pourrait remarquer que Wikipédia est certes le cinquième site le plus visité du monde, mais que le site qui tient la quatrième place, c'est Baidu, l'encyclopédie chinoise. Puisqu'en Chine, Wikipédia est censuré, donc le public asiatique a plutôt tendance à aller vers Baidu, et a très peu contribué à Wikipédia. En résumé, Wikipédia, c'est une vision très occidentale du monde et très masculine. En conclusion sur Wikipédia, c'est bien le démos, c'est-à-dire les Wikidiens, qui détiennent le kratos, c'est-à-dire la capacité à écrire et à modifier les articles. Leur capacité d'autogestion et d'écriture collaborative est réellement incroyable, et elle n'est pas sans rappeler ce que font certains discords, comme par exemple celui de la France Insoumise. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette communauté de Wikidiens, elle s'est majoritairement formée autour des années 2000, à une époque où Internet n'avait pas autant d'outils pour nous connecter et nous organiser de manière démocratique. Mais il faut bien remarquer que, à l'image de la Grèce antique, la démocratie des Wikidiens est largement imparfaite, car elle n'inclut pas l'ensemble du démos. La plateforme n'aura pas réussi à attirer une communauté assez hétéroclite, capable de produire une source d'information à la fois objective et diversifiée, comme le souhaitaient à l'origine Jimmy Wales et Larry Sanger. Au final, Wikipédia est une encyclopédie qui n'a pas réussi à s'extraire des systèmes de domination de notre civilisation. Elle est encore et toujours dirigée par des hommes occidentaux qui participent à diffuser une certaine vision du monde. À mon sens, la question qu'il faudrait se poser, ce serait celle de savoir si une encyclopédie véritablement neutre et objective est même possible. On peut souligner le fait, par exemple, que l'histoire qu'on nous a transmise depuis des siècles a été majoritairement écrite par les vainqueurs, que les histoires orales des pays africains, par exemple, traversent mal le temps, ou que l'histoire des femmes a été invisibilisée pendant une grande période de l'histoire de l'humanité. En prenant compte de tout ça, proposer un répertoire des connaissances du monde qui soit objectif semble plutôt invraisemblable. Peut-être est-ce justement parce que Larry Sanger et Jimmy Wales croyaient plus dans le capitalisme que dans l'anarchisme qu'ils n'ont pas su analyser ce problème dès les débuts de leur projet. L'anarchisme propose en effet une analyse plus radicale, c'est-à-dire qu'elle met en lumière les systèmes de domination cachés qui sont à la racine de nos organisations économiques et politiques. Je trouve que cette histoire de Wikipédia, elle est très très intéressante, parce qu'elle nous montre d'un côté qu'il y a de l'espoir, qu'on est capable de s'auto-gérer de manière démocratique et que ça fonctionne, et d'un autre côté, elle nous met en garde. Elle nous montre qu'il ne faut pas oublier de déconstruire les systèmes de domination qui sont à la racine de notre civilisation, sous peine de ne pas pouvoir produire un savoir objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez bien compris qu'il faut qu'on fasse du démos kratos en veillant bien à intégrer tout le monde au démos pour ne pas corrompre le kratos. C'est le message que je veux diffuser sur démos kratos depuis plus d'un an et peut-être même depuis le début de la chaîne au final, et c'est celui que je continue à diffuser aujourd'hui, donc j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour regarder les prochaines vidéos et de nous soutenir sur Tipeee. C'est très très important parce que ça nous permet de produire tout ce contenu, parce que ça nous coûte de l'argent au final, c'est notre boulot maintenant.
N'oubliez pas aussi de me me suivre sur Instagram, parce que je fais des lives tous les mercredis, je discute directement avec vous de sujets divers et variés, donc venez sur Instagram, abonnez-vous à YouTube, soutenez-nous sur Tipeee, et à bientôt pour la semaine prochaine, un gros reportage sort sur la chaîne, donc soyez au rendez-vous. Merci à tous, et à bientôt sur Demos Kratos.